Le néolithique de Tunisie, c'est avant tout le Cap Bon. C'est une terre extrêmement fertile entre Tunis et Hammamet. Monsieur Gerlin a eu le coup de foudre pour cette fleur d'oranger-là plutôt qu'une autre, c'est parce qu'elle est généreuse. Il n'y a pas qu'en Tunisie qu'on se fournit en néroli. La Calabre est source d'un néroli magnifique, fait sur notre proposition, qui est unique à Gerlin. Dans Néroli à Vétiver et Harvest, vous avez ces deux néroli. L'une a une certaine élégance et l'autre une certaine puissance. Le miel fait son apparition dans Néroli à Vétiver et Harvest. C'est un miel qui a été développé avec un partenaire à nous depuis trois générations qui, de façon très ingénieuse, a réussi à faire un miel utilisable en parfumerie. C'est unique au monde. Je pense que la parfumerie, c'est avant tout de l'émotion et de l'affectif, et que l'achat même des matières premières ne peut pas être déconnecté d'affectif. La mano è una trasmissione dei nostri sentimenti. Non so se non c'erano le mani che sarebbe la vita. Sono Gianfranco Catalano di Reggio Calabria, calabrese. Svolgo l'attività di apicoltura da quando avevo 18 anni. Facciamo una produzione di zagara. Siamo in una zona meravigliosa. È situato in una posizione geografica molto favorevole del territorio di Calabrese, che è uno dei più belli che ci poteva essere in Italia. Che la produzione, dove tanti agricoltori fanno la produzione di agrumi, le api quando vedono questa fioritura escono pazzi perché gli piace forte. Allora vanno a bottinare da fiore a fiore. Il miele di agrumi per me è un miele meraviglioso perché è particolare per l'odore, per il sapore, per la vista. Se vedi quel miele proprio che è un oro, è meraviglioso. Dobbiamo essere molto cauti, molto attenti a saper muovere e a toccare le api con cura e con amore, perché loro già sentono dalle nostre mani, sentono per come li trattiamo. Possono raccontare le mani del nostro mestiere, cioè l'arte del nostro mestiere.